Dans ce 436 de la 5e centurie, Nostradamus dit que cette époque sera rasée à cause d'une erreur. Une puissante mine sera mise dans un milieu minéral. Satan est présent en ce temps et les rues auront des rhumes ou des maladies contagieuses. Une puissante mine dans un milieu minéral. Si une puissante mine explose dans un milieu minéral, cela veut dire que ça aura des conséquences graves et certainement donner une destruction massive ou un cataclysme extrêmement grave. Deux endroits dans le monde présentent un danger à cause d'une grande fragilité. Le premier se trouve au niveau de la plaque de la subduction passant sous les Andes, la plaque de Nazca qui passe sous la plaque sud-américaine. Au pied des Andes, il y a une fosse de 7000 mètres. La seconde se situe en mer de Barents. C'est à cet endroit que se trouvent les stations de pompage de gaz russe. Si la guerre éclate et que les conflits s'intensifient, nous risquons d'avoir l'explosion de gaz la plus puissante au monde. Car nous savons tous que pendant un conflit, une guerre, on s'attaque d'abord à toutes ces infrastructures industrielles, pétrolières, gazières, pour réduire le pays pratiquement à néant et faire souffrir les populations. Les réserves de gaz dans cette région sont gigantesques et se chiffrent en milliards de mètres cubes. Il y a environ 48 milliards de mètres cubes dans cette même région, où ont été construits des raffineries ainsi que des réservoirs de 800 000 mètres cubes de gaz liquéfié. Nous savons tous, dans la 3e centurie et dans certains quatrains d'autres livres, Nostradamus en parle, que le drame arrivera du rond nord. Alors méfions-nous, parce que si le drame arrive effectivement au rond nord, toute l'Europe sera effacée de la carte du monde. Les rues auront des rhumes ou des maladies contagieuses. Il est bien évident que si la guerre éclate et qu'on se sert de l'atome, on se servira également de tous les virus qui ont été fabriqués dans les laboratoires. La guerre bactériologique, les armes biologiques de destruction massive et des maladies hautement infectieuses ainsi que les agents pathogènes seront répandus. Les toxines, les virus seront répandus à grande échelle pour détruire le plus de monde possible. Car une certaine race d'hommes ne cherche que la destruction de l'humanité. Il nous reste une place dans la SI de libre. Mais peut-être que dans quelques semaines, deux, trois autres places vont se libérer pour la simple raison, c'est que nous sommes une confrérie altruiste. Personne ne commande. Nous faisons tous le travail que nous avons à faire et nous n'avons pas besoin de personnes qui veulent prendre le contrôle comme si c'était une industrie. Nous essayons de nous battre pour garder une forme de liberté tout en travaillant en même temps. Voilà, donc vous pouvez me contacter en ayant sous la vidéo l'adresse pour le faire. Voici le quatrain 36 de la 5e centurie. Deux sœurs, le frère par simulte feintise, viendra mêler rosée en minéral, sur la placente donne à veille tardue, meurt le goustan, sera simple et rural. Voici la première ligne du quatrain 36 de la 5e centurie. Deux sœurs, le frère par simulte feintise. Voici la révélation. De Dieu seront les usages d'expression, ce sera le souhait d'avoir ces hautes heures réelles, ce sera le relais effrayant, tu feras les frères de chacun des mots. L'air des mots contiendra les heures de cette époque qui seront rasées, effacées, brûlées. Par cet air des mots seront les récits, la simulation des mouvements contenus dans cette lettre. Tes thèses ont contourné la fin des mots, et ainsi, tu tisses ici même cette connaissance cédée par Dieu, dont les usages d'expression seront le souhait d'avoir ces heures terribles. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Cette connaissance était éteinte. Tu tiens la naissance des faits à voir cette époque en lecture, dont le thème de la lettre suivra le mouvement de la musique. Tu as ici même les notes. Il faudra séparer le pouvoir de cet art des mots, les ranger ensemble. Cette époque, à cause d'une erreur, sera rasée, effacée, brûlée. Ces heures seront réelles. Ce sera le relais qui laissera l'effet devenant la certitude. Ce sera le souhait élevé de Dieu par son aide, sera cet essai de la connaissance obtenu en été. Tu tiens le premier fait, la lecture de cette lettre.
Voici la deuxième ligne du quatrain, 36 de la 5e centurie. Viendra mêler rosé en minéral. Voici la révélation. Dans les visions de l'existence viendra les angles, la fin des heures. Le drame, ce sera une époque de rame, je vois les âmes. Tu mettras mes usages qui étaient scellés, l'heure de cette époque sera rasée, effacée, brûlée. Ce sera l'époque des eaux, haussées des océans. Tu connaîtras la durée de l'existence par une haine d'ennemis qui mettront une puissante mine dans un milieu minéral. Ce sera une grande haine pour ces heures de râle. Mes visions de cette existence marcheront. Ce sera le déchaînement des anges. Ce drame sera inscrit dans mes usages d'expression scellés. L'heure sera inscrite. Voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Ce sera une époque de râle où marchera l'énervement des hommes. Ceci naîtra de ces heures remises par moi en mieux. Ayez les yeux sur le Japon où un conflit naîtra. Ces usages d'expression produira cet essai de la connaissance. Seront inscrites les heures de ton époque. Ce sera ton rôle, par ces rouleaux d'écrits, de dire que les eaux iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. Ce sera les heures de la herse. Les êtres seront dans la mer. Tu connaîtras la durée de la vie par les angles qui se dévieront et dévisseront. Ce sera la fin. J'ai des visions virales de cette époque de râle. Les gens seront mécontents. Naîtront ici les heures remises miennes. Voici la troisième ligne du quatrain 36 de la 5e centurie. Sur la placente donne à veille tardue. Voici la révélation. Ce sera la certitude d'avoir ici l'air des mots réels. Ce sera le relais dans le temps pour ces notes. Tu as appelé ce pouvoir afin de mettre en place ces notes. C'était la première connaissance des scènes que tu as senti nettement. Nous t'aidons par ce don qui te fut donné, l'avoir par ma foi, ce sera la naissance de l'éveil. De ces aveux sera la volonté de voir la menace qui arrive, ayez les yeux sur la lecture de cette lettre. Tu as tardivement l'art des mots hardis, et dire à tous qu'il faut avoir la volonté de voir la menace. Ces usages seront la certitude d'avoir ces réelles notes que j'ai hurlées. Ici sera le pouvoir de la prononciation et l'accentuer nettement. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les hommes auront mes visions. Rapidement, elles seront semblables. Tu as tardivement cet art ardu. De Dieu sera le délai qui lèvera l'éveil de la volonté de voir cette menace. En ayant les yeux sur cette lecture des notes, vous verrez les années naître avec l'aide de ce don donné. Ces avoirs seront le nantissement pour l'arrivée du néant. J'ai hanté nettement tes thèses, la connaissance par ces notes, ce pouvoir sera pour les eaux hautes. J'ai hurlé l'air des mots réels. Ce sera le relais laissé aux êtres. Ce savoir sera en ayant les visions. Rapidement, elles seront pareilles aux miennes. Tu as cet art des mots tardivement, de Dieu sera indiqué le délai restant, et ainsi lever l'éveil en ayant la volonté de voir la menace sous les yeux. Voici la quatrième ligne du quatrain 36 de la 5e centurie. Meurt le goustan sera simple et rural. Voici la révélation. Tu mettras mes heures où sera inscrit le grand heure de la planète. Ce sera l'accusation de la terre. Ce legs sera le même que j'ai élevé. Cela afin de donner le goût à cette coutume, jouxtant l'expression. Sera Satan qui est présent en ce temps, à tel point que j'ai hanté les années nettement de tes thèses, possédant cette connaissance afin de servir les heures des races. Tu as l'assise ici même de ces notes simples. En épelant le pouvoir des lettres, sera la lettre pour la terre. Tellement les rues auront des râles, j'ai fait marcher l'émission de mes heures. Tel sera le legs donnant le goût pour cela, en ayant la coutume d'expression, pour ce temps, afin de savoir ces années nettement. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Cette époque de râle marchera en ces heures dans les rues. Il faudra avoir la volonté de voir la menace en été. En ce temps, il y aura tellement de plaies laissées ici même dans ces notes, ce sera le sommet de mettre les heures de la mer sur les terres. Vous aurez une époque de rapt, de vol et de viol. Ce sera rapidement dans tes thèses, ce sera la présence de Satan. Tu verras une année de nudité pour les êtres de la Gaule, la géographie des eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, les industries et les centrales nucléaires. Cette lettre sera pour la terre, les rues auront les rhumes ou maladies contagieuses. Ensuite, seront mes heures de mer, cette époque de râle marchera par les rues.
Il faudra avoir la volonté de voir la menace pour cette période. En ce temps, il y aura tellement de plaies. Je laisse le sommet de mes écrits. Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.